Bon, les cours sont terminés. Ça te dit d'aller faire du shopping? Ouais, trop bonne idée. Mais on était de voir pour demain. Mais on les fera après. Ok, mais on fait qu'une seule boutique. Ok, alors celle de Haïti. Allez vite! En plus, elle a reçu son stock. Salut, Effie. Oh, salut, Effie. Salut. Bon, ben, on vient regarder. Ok, prenez le temps que vous voulez. Oh, ce petit sac. La jupe. Vous avez vu mon nouveau stock? Oui, c'est très joli, mais malheureusement, dommage que tu l'as reçu en fin de mois. Et ouais, j'ai plus trop de sous, moi. Mais, ouais, mais je pense que je vais pas beaucoup vendre. Donc, il y aura tout la prochaine fois. Oui. La jupe. 55 euros. C'est que j'ai pas les sous, moi. Il faut savoir se priver. La robe. Oh, 110 euros. Le sac, là. 5, 30. Mais la tunique, là-bas. 70. J'ai pas rien acheté. Au revoir, Claudine. Bon, à la prochaine. Ouais. On dirait que... Elle se croirait comme un enfant à jouer club. Ouais. Bon, ben... Je let's go, hein, je sais pas où elle va. Oh, mais t'es pas dingue de faire comme ça? Désolée. Est-ce que tu pourrais m'héberger cette nuit? Claudine, tu as des problèmes financiers, je le sais, là. Je ne voulais pas te le dévoiler, mais je suis à la rue depuis ce matin. Et où as-tu mis tous tes meubles? Tu sais, le double des clés que tu m'avais prêté. Ouais, celui que t'as perdu. Mais en fait, je l'ai pas perdu. Je me suis dit que c'était toujours... Ça pouvait toujours me servir. Oh, t'as pas osé quand même. Oh, mais j'ai pas déposé grand-chose. Bon, je vais t'aider. Mais explique-moi le problème. Je pense que je te l'expliquerai mieux sur ton lit. Bon, allez, vite. Ouais, attends-moi. Ah, oh, ben, il n'y a pas grand-chose, il n'y a qu'un lit. Ouais, mais surtout, ne ferez pas mon placard. Pourquoi, qu'est-ce qu'il y a dedans? Tous mes fringues. Et mon armoire, elle est passée où? Tu veux qu'on la remette? Ben, bien sûr. Mon bureau. Ah, oh, j'ai tout réinstallé. Et ben, voilà, on a tout raménagé. Le bureau, le lit. Ouais. Au fait, c'est quoi cette carte? Oh, c'est la carte de Monster Playa. C'est où j'aimerais trop partir. Mais, normalement, on part toutes les goules en vacances, ensemble. Bon, asseyons-nous sur mon lit, je vais t'expliquer. Alors, explique-moi. En fait, c'est simple. Comment te dire? J'aurais trop aimé qu'on parte tous ensemble, toutes les goules. Sauf que vu que toi déjà t'as des problèmes financiers, on n'y partira peut-être pas. Ah, ok. Désolé. Non, mais ne t'inquiète pas, c'est pas de ta faute. Puis, de toute façon, c'est très cher là-bas. Faudrait qu'on trouve du travail et tout. Et puis... Mais si on travaillait toutes, on trouvait tout un petit boulot. Ah, c'est pas bête ça. Mais où? Bon, appelle les goules. On va leur en parler. Mais, discute pas. Je suis bien chez moi après tout. Allez, on partage. Ok. Mais attends, en premier, moi, je vais te dire qui je veux qu'ils viennent. Bonjour tout le monde. Salut. Je vais vous expliquer. Donc, toutes les personnes qui sont là peuvent partir avec nous. Car on aurait envie d'organiser un voyage à l'île de Mons, à Playa Monstrual.
Player Monster, il a plus cher de monster des monstres. Je crois que tu nous fais une blague là. Non, j'ai vraiment beaucoup envie d'y partir. Mais comment veux-tu faire? Je vais t'expliquer. On trouverait des petits boulots, puis après on pourrait se payer le voyage. Oh, c'est pas une mauvaise idée. Et toutes les personnes qui partiront avec nous sont là? Oui, on est toutes là. Et ouais, donc pas de... Si vous voulez inviter Longin, franchement, faut qu'il travaille. Ah, mais vous n'avez pas invité Laguna et Abby? Elles n'ont pas souhaité travailler. Bon, est-ce que vous avez une idée de travail? Je pourrais réparer quelques voitures, motos, etc. Oh, très bonne idée, Rebecca. Tu te débrouilles? Oui. Goulia? Ah, rigolo, mais très bonne idée. Vendre tes contrôles, ouais. Toi, Francky? Oh, moi, aucune idée. Toi, Rochelle? Moi, aucune non plus. Moi, j'ai une idée. Je pourrais faire serveuse. Très bonne idée. Moi, je ne sais vraiment pas. Mais pourquoi Abby n'a pas voulu partir? Elle fait pourtant... C'est pourtant la directrice du snack bar. Oui, mais elle a dit que elle partait, c'était Laguna et elle partent dans la famille de Abby. Enfin, Laguna dans sa famille et Abby dans la sienne. Ah, ok, je comprends. Sinon, pas d'autres idées? Non. Oh. Il nous faudrait trouver un truc, Frankie, moi, Dracula et Claudine. Oh, on t'a jamais dit que t'avais une voix d'or, Dracula? De quoi, en chanson? Oui, tu pourrais chanter? Quelqu'un sait jouer de la guitare ici? Moi, à peu près. Oh, très bien. Vous jouerez dans les bars. Dans le bar, peut-être, vous travaillerez. Ou dans la rue, et on vous donnera... Ouais, mais moi, ça me dit toujours pas ce que je dois faire. Aucune idée, mais t'inquiète, on trouvera. Oh, j'ai... Ah non. Tu pourrais faire le ménage? Le ménage chez des gens? Ben oui. Bon, si c'est pour partir à Monster Playa, je veux bien. Yeah, on a tout trouvé un boulot. On va pouvoir partir à Monster Playa. Allez! Je vais déjà préparer mes petites annonces. Oh, si vous voulez, je le fais, je les colle. Ok, tu me les prépares, je vais vite les coller. Ok. Vous avez chacune un paquet de feuilles. Ouais, un paquet d'annonces. Nous, moi et Goulia serons prêtes au téléphone. Comme ça, en même temps, on négociera le salaire. Ah oui, parce que t'as pas marqué le salaire sur ces fiches. Oui, moi, le prix. Oui, mais ne t'inquiète pas. On verra ça avec Goulia. Goulia va m'aider. Allez, distribuez ça. Je m'en occupe, moi. Je m'en occupe aussi. Au fait, Dracula, les annonces pour le concert, ou du moins les demi-groupes, je sais que tu m'en as déjà parlé. Et j'ai pas trop envie de le faire. Ouais, non, j'ai pas, sans problème. Mais tu sais ce que je t'ai mis à la place? Non, vendeuse. Qui, moi? Et toi? Non, moi, j'irai faire le ménage avec Francky. Ok. Merci de ta compréhension. Non, mais je te comprends. Allez, je vais distribuer. Let's go. Bonne chance, Frankie. Bon, Goulia, faut qu'on se mette au travail. Tu as raison. Plus on commencera tôt, plus on finira tôt. Let's go.